seule bonne manière de tenir les ciseaux, c'est de cette façon-ci. Le pouce ne peut pas dépasser. Le petit doigt doit soit s'appuyer là, si on n'a pas ce morceau-là sur le ciseau, soit appuyer là. Les deux doigts-là doivent bien venir soutenir le ciseau. Et ce doigt-là ne doit pas trop dépasser non plus. Il peut être jusqu'à la première phalange. Donc là, nous tenons nos ciseaux de façon correcte. Qu'est-ce qui était important maintenant pendant qu'on coupe, c'est qu'on ne bouge pas ces doigts-là. Il n'y a que le pouce qui peut bouger pour couper, de façon à ce que cette branche-là reste fixe et on travaille avec beaucoup plus de précision puisqu'on a cette branche-là comme point de repère pour couper quelque chose. Contrairement à si on faisait bouger les deux branches, ben, on allait couper quelque part ici au milieu, mais en bougeant que le pouce, on est sûr de couper que à l'endroit où cette branche-ci se trouve. Le premier exercice, il faut mettre son doigt de la main gauche comme ça. Bien sûr, tenir ses ciseaux de façon correcte et faire travailler le poignet de la main droite autour de votre doigt. Le deuxième exercice. Voilà. Le deuxième exercice, vous devez faire contre le mur. Vous appuyez cette partie-là de votre main contre le mur et vous montez et vous redescendez et en diagonale dans tous les sens. Une fois que vous avez bien, que vous maîtrisez bien l'exercice avec vos doigts contre le mur, vous allez écarter vos ciseaux de quelques millimètres et faire le même exercice. Donc là, il faut maîtriser la distance du mur pour ne plus avoir d'appui. Le troisième exercice, c'est un exercice où on n'emploie pas ces deux doigts-là, mais on doit quand même être capable de couper, mais c'est aussi pour se rendre compte à quoi servent ces deux doigts. Parce que je vois souvent des élèves qui ne tiennent pas bien leurs ciseaux là, qui sont un peu comme ça. Donc, essayez un peu de couper avec les doigts tendus, et puis avec les doigts comme il faut, et vous allez tout de suite sentir la différence, l'importance de ces deux doigts-là. Ensuite, l'exercice numéro 4, au lieu de mettre votre pouce là, vous mettez le pouce là. Et vous devez être capable de faire les mêmes exercices de la même façon. C'est évidemment plus difficile, mais c'est pour bien vous rendre compte que vous ne dépassez pas les ciseaux avec, que vous ne faites pas ça. Même pas ça, il faut appuyer le pouce à cet endroit-là et faire le mouvement comme ça. Vous pouvez éventuellement mettre votre pouce un tout petit peu à travers, mais il ne peut pas dépasser. Sinon, on ne prend pas le bon appui sur cette branche-là. Donc, que vous faites comme ça ou comme ça, ça ne devrait pas changer grand-chose. Thank you.